Il me plaît de constater que ces deux journées écoulées ont été très denses, également très riches d'échanges, de partages et de concertations. Au regard des conclusions et recommandations aussi pertinentes les unes que les autres, exposées par le rapporteur général du séminaire, les deux journées sont prometteuses de la réussite de la prochaine année scolaire et universitaire. Et cela est un motif de satisfaction pour nous tous. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces deux journées. Ces résultats sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution des nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. Avant de terminer, je voudrais inviter tous les acteurs du système éducatif national à mettre un point d'honneur sur la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route, des activités à réaliser avant la rentrée et au cours de la prochaine année scolaire et universitaire.